Vaccin COVID-19 l'a approuvé pour Timoun 5 ans ou soit plus grand. C'est plusieurs milliers de Timoun qui ont participé dans le test qui pouvait vaccin sain et sauf et puis efficace. L'année qui s'est passée là était difficile pour nous tous, et spécialement pour Timoun Noyo. Vaccin a permis toute activité recommencer. En même temps, l'a mis Timoun Noyo et nous-mêmes tout en sécurité. Li normal pour nous gagner question sous petit nous avec vaccin. Parlez avec Petito, le fini, prends conseil dans mes docteurs. Mes amis, fais la science confiance, prends vaccin. Salut à toutes, salut à tous. Merci d'avoir fait choix de Yon Lodson Cloche. Aujourd'hui, nous sommes à notre 10e émission de Yon Lodson Cloche. Et c'est avec le même plaisir que nous, entre la Kaou, entre la machine, nous, pour nous présenter aux émissions, ça, qu'on gagne opportunité pour garder chaque jeudi soir de 7h à 8h du soir. Merci à tout internaute, nous. Merci à Moun Kabien, Prioli, nous, sur info.haiti.net. Merci à Moun Kabgade, nous, sur toute plateforme, et spécialement, merci à auditrices et auditeurs Kabkoute, nous, Kouniala, sur Radio Concorde. La première émission, nous, pour année 2022, nous t'ai dit que, définitivement, tout j'en ont gardé, là, on année de turbulence. Nous te prenons 1er janvier, nous te prenons 10 janvier et nous te prenons aussi le 7 février. Nous prenons 1er janvier, malheureusement, tout le monde voit comment ça t'est passé au Gonaïve et nous te faisons une émission spéciale dans l'occasion. Côté nous te gagnons comme invité M. Ronald Orival. Et après ça, nous te marchons à grands pas. Vers le 10 janvier, nous connaissons qu'il t'apprend en principe, t'as dû marquer rentrée nouveaux députés, nouveaux sénateurs dans le pays. Mais malheureusement, nous connaissons un tiers du Sénat qui était seulement 10 sénateurs. Et t'es un gros débat. Est-ce que sénateur ça y est, y a petit job yo, ou bien est-ce qu'il a prêté en fonction? Eh bien, nous capables de dire que Montala, il était accouché en sourite. Parce que le premier ministre, là, il n'a pas montré qu'il voulait entrer dans le bras de fer. Là. Au contraire, il a même lancé un appel d'unité. Il a même demandé sénateur pour venir rencontrer avec lui, ce qui n'a pas été fait avant le 10 janvier. Mais après le 10 janvier, côté Sénat a rentré avec tout sénateur, presque, vous connaissez deux qui étaient absents ou bien trois. Et bien après ça, 24 heures après, le premier ministre Ariel Henry lançait pour une deuxième fois une invitation à Sénat qui finit officiellement rentrer en fonction. Ça veut dire qu'il finit sceller, qui signifiait que yo là pour yo parti le deuxième lundi du mois de janvier 2023. Sénat est tellement à l'aise, les formés ont leur bureau, encore une fois, qui gagne en tête li. Animal politique là, nous voulons parler du sénateur Joseph Lambert, ou bien sénateur Kedley Augustin qui est vice-président, et puis ou bien sénateur Ekado, et Ralph Fétier, excusez-moi, qui est questeur, ça veut dire c'est lui-même Cap Kembe l'agent. Sénat continue toujours, côté le même formé, trois commissions qui gagnent la tête les trois sénateurs. Vous voyez, une commission politique. Qui gagne la tête li, c'est sénateur Patrice Dumont. Gagne une commission sur économie qui gagne la tête li sénateur Sildor. Et puis gagne une autre commission encore qui gagne la tête c'est là qui gagne quoi sénateur Kado. Bon, je m'excuse. Mais ça qui est important, c'est que jodia bataille la pou fini. Suspense la pou fini. Parce que les trois dates nous t'ai porté en phase sous l'IA, semblerait-il, c'est les mêmes qui a vraiment attiré plus attention et c'est les mêmes qui capable porter plus que sauter. N'a parlé du 7 février 2023. Pour quelle raison? C'est parce que nous connaissons déjà un débat depuis longtemps
entre mandat président Jovenel était fini depuis le 7 février 2021, les mêmes l'était dit c'est 7 février 2022 et avant de mourir dernière nomination l'était fait, l'était choisi docteur Ariel Henry comme premier ministre li, et puis 24 ans après il va perdre la ville. On y a dans pile monde qui dit le fait que c'était dernière nomination président FA, surtout monde qui croit que le mandat c'est en 2022 le temps fini, eh bien Ariel Henry doit bénéficier d'une certaine légitimité parce que c'est le président qui était nommé. C'est un débat. Cependant, arrivé au 7 février 2022, même le monde ça a été raison, il y a monde qui a besoin de légitimité ça li atteindre à fin. Donc qui ça qui pral kembe Ariel Henry jodi a pour rete la tête pouvoir toujours. Donc son débat, mais c'est le 7 février qui a venu qui pral di nou comment ça t'a passé. Mais en dedans tout gali matia ça, il y a quand même ça nous tirer déjà la bataille des accords. Mais pendant la bataille des accords là, ou venir un gros pas qui fait côté peine, c'est Yuna Akoyo, il y a encore peine qui vient la donner, et sénateur, ancien sénateur Yuri Latotu, Eko, qui vient faire une fusion, vient faire seul avec accord Montana. On a vu accord en septembre, qui a pile mon relé, accord Ariel Henry qui pour contre. Cependant, pendant le pour contre, c'est accord ça qui gagne rail pays à la mer. Parce que jusqu'au moment que n'a pas la voilà là, c'est Ariel Henry qui premier ministre pays. Mais tellement à l'aise, yo aller la côte sous côte des Arcadés, côté yal passé 48 heures de temps, pas moi qu'est-ce qu'a payé pour yo naturellement taxe pays. Côté toute bagarre faite sous compte la République, yo pral réfléchi comment peut ta harmoniser travail que pour yo faire à la recherche d'une solution à la crise. Actuellement monsieur, ba comme on dit je fais gros classe pour qu'on ait plus gros problème pays a jodi a c'est problème insécurité. Pour nous essayer brasser l'idée essayer comprendre situation complexe a, nous avons avec nous Jean-Yves Joseph comme invité. Il est habitué à participer avec nous. Mais comme nous croyons qu'à chaque émission, il y a un paquet de nouveaux auditeurs, nouveaux téléspectateurs, nouveaux internautes qui rejoignent nous, donc nous avons demandé M. Jean-Yves Joseph, même brièvement, pour te présenter pour nous-mêmes, si vous nous dit qui est Jean-Yves Joseph, surtout pour l'Advie Académique, qui est-ce que vous et Julio, je salue tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. M'absalue également et m'absalue Yves Canjuste qui est derrière caméra. Bon, moi-même, qui moun que moi y est, Jean que li écrit sur écran, je suis économiste, moi est formé en Haïti et également moi gagné un bachelor et degree ici dans Massachusetts et c'est dans management information system que moi été prend en major et également moi été prend en minor dans accounting et actuellement m'a travaille dans une institution financière comme un analyste financier donc en quelques mots c'est Mounsa que moi y est Julio. Merci, M. Joseph. Et d'entrée de jeu, on a essayé de garder tout point qui dominait l'actualité politique là, dans la semaine. Cependant, on a d'accord que point qui plus commenté, analysé, c'est Santa Carilé, le super article du New York Times. Ou même comme on qui branche Haïti, qui a suivi la situation pays d'Haïti, et ceci depuis très très longtemps, qui analyse, qui lecture, comment comprendre l'article que New York Times écrit, qui fait un
en pile monde. Bon, c'est combien de conseils de monde procès à faire déjà? Procès à indexer déjà les coupables pour vous prononcer. Julio, m'apporte une grande précision pour auditeur avec auditrice, téléspectateur avec téléspectatrice et moi auditeur tout parce que l'émission a passé sur Radio Concorde. Cap côté nous là et me pense que question là l'issue autour gain rapport avec deuxième article New York Times. Parce que tant qu'on pile dans monde cap côté nous là connaît déjà un premier article, un article fleuve et sous Haïti et un deuxième article qui paraît sous exactement et la mort président et Jovenel Moïse. Bon, article ça c'est lui-même qui a défrayé la chronique tant en Haïti que dans la diaspora et pas seulement au niveau de la communauté haïtienne mais également au niveau de et médias américains et certaines autres communautés qui intéressaient avec les questions haïtiennes. Article sur article fleuve, il parlait de différentes rencontres que ils ont fait avec deux mondes en dedans pays. Hein. Mais article, c'est surtout un citoyen haïtien que Yorile Rodolphe Jarre que article surtout concentré sur lui. Donc m'pa konnen Julio si que ou gagne de questions précises sur article mais en quelque sorte et article c'est ça que lié qui déroulé sous et la mort président Jovenel Moïse et qui moun qui ta gen censé impliqué nan assassinat président. OK. Donc alors monsieur Joseph, ça qui intéressait moi-même l'article là dans mes points de vue sous lui, c'est comment article là li vini, li prend place li. L'elle prend place li, c'est tout monde net qui a parlé de article là. C'est là comme d'adjo article là li vini mettre en faiblesse, li vini mettre à nu faiblesse média en Haïti. C'est quoi média Haïti ou pas fanyen? C'est quoi foxé un article qui sorti long journal étranger très spécialement un journal tant que New York Times, c'est un journal plus respecté n'importe même dit dans le monde. Et m'a demandé si c'est pas le journal le plus respecté aux États-Unis même que ou senti toute ça l'a dit tout monde d'accord. Moun pas critiquer, moun pas poser question. Et me pense faut nous rendre hommage à qui hommage est dû. Il n'y a que le journaliste, d'accord, ça n'est pas senior seulement, Marcus Garcia de Radio Mélodie, qui fait un éditorial côté monsieur, fait une analyse qui est nettement différent de Jean Pilmoun ou article là. Et le map tant d'éditorial là, et Fom dit ça encore tout, sans fausse modestie, moi, je dis que c'est un coup, Marcus te parlé à collaborateur nous, Yves Kajuste. Parce que il y a des questions, monsieur, posées, il y a des interrogations, Yves a posé, mais Marcus dit tout en dans l'article là. Est-ce que vous trouvez normal que l'article là en est sorti et puis il fait tajule, c'est quoi m'a dit, amen, pas de questions pour moun da poser encore. Bon, et Julio, ou dit li, ou évoque une raison qui fait que l'article fait autant de tâches d'huile, tant en Haïti que dans la diaspora, pour la simple bonne raison que c'est New York Times. Et je crois dans le même éditorial, Marcus, là, que vous soulignez, hein? Marcus mentionnait ça tout. Et au contraire, et Marcus même fait une petite plaisanterie dans l'article pour lui rappeler, et slogan, et journal et le matin qui te dit si le matin le dit c'est vrai. Pour un pile monde dans la communauté haïtienne nan, et en Haïti puisque c'est New York Times qui écrit donc ça veut dire que son bagaille qui vrai. Mais cependant
à l'analyse, nous obligés de poser nous certaines questions extrêmement pertinentes. Parce que le principal et citoyen qui que article a interviewé pour qu'il libale toute information que le gagne, c'est M. Rodolphe Jarre. Qui est M. Rodolphe Jarre? C'est un citoyen haïtien d'origine palestinienne. Mais M. Rodolphe Jarre, son monsieur que qui ont histoire extrêmement bouleversée. Son monsieur qui était fait la prison ici aux États-Unis et qui, pour qui raison, c'est pour question de drogue. Et ces interrogations, ça a que mon a gagné sous question de et personnage. Hein. Est-ce que nous capables faire un tel personnage autant de confiance dans la déclaration que l'y fait? Et c'est là que nous trouvons et gagner un peu de légèreté dans gens que nous embrasser tout ça qui dit dans l'article, parce que principale source, comme on dit, principale source d'information, il vient de un personnage qui est extrêmement douteux. À partir de cela, nous avons posé peut-être une certaine question. Est-ce que le journaliste a fait effort pour l'être contacté d'autres monde pour te corroborer ça que M. Jarre et dit en yo? Parce que dans pile accusation et que M. Jarre porté contre par exemple Dr. Ariel Henry qui est actuel et premier ministre et paysan, même si que M. bon c'est pas un premier ministre et légal, son premier ministre, de fait, de facto. Mais cependant, il reste et demeure que et c'est M. Ariel Henry qui a dirigé le pays, parce que pas un président. Et M. encore porté, et M. Jarre, il porté accusation contre également l'actuel directeur général de la police d'Haïti, de la PNH. Donc, est-ce que tu as certains efforts qui t'ont fait pour te contacter d'autres personnages qui t'ont accepté, que yo identifié yo? Dans l'article, il a fait mention de trois moun qui proches de l'investigation hein, qui pas accepté que yo identifié tête yo. Donc, et c'est trop ça, yo nous pensons que l'article n'a gagné la donne. Donc, nous t'as souhaité que l'article te gagné beaucoup plus de monde qui acceptait identifier tête yo et qui gagne une certaine crédibilité. Ok. Alors, il y a d'autres remarques que y a un pile monde qui lit article là, un pile monde qui tendait et article et commentaire qu'a fait sur article là que au fait. Et premièrement, il y a un monde qui dit New York Times pas porté aucune information. Parce que tout ça New York Times dit yo, monde qui tendait ou déjà. Naturellement, monde te prend avec pincette. Monde pas qu'a dit yo c'est vérité ou c'est menti. Mais tout ça New York Times écrit l'article là, tout le monde t'étendait ou déjà. Que ou t'es vrai, que ou t'es faux, mais le monde t'étendait ou déjà. Bon, New York Times, et même comme c'est New York Times, il bénéficie d'un préjugé positif, non seulement pour sa journal à traîner derrière, mais lui aussi bénéficie du fait que très malheureusement, en pile fois nous-mêmes, c'est à partir de l'aune internationale là pour nous dire son bagage bon. Bon, il n'y a pas aucune information. L'autre bagage ou dit là qui est important, New York Times parlait d'une série de monde sans le pas citer non yo, mais ou gen impression moun sa yo, c'est déclaration qui t'a porté de mid date we are looking for.
nan sa ka fèt la. Men li di moun sa yo se de moun ki pa kapab prononse yo. De ce fait, li vin kreye on lot problèm. Son lot trou anko an dan atik la. Et puis, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Ça fait déjà, ça fait plusieurs côtés. Certaines fois, quand il y a des gens de l'article, ça, ou quand il y a des reportages, c'est des reportages guidés. Parfois, quand même là pour brouiller quatre là. Alors, si analyse, n'a fait, n'a pas essayé de prendre tout élément yo, et puis pour analyser. Yo. Mais en gros, moi, en pile monde, peut-être avec raison, yo dit que New York ça pas porter rien en plus dans ça et puis gros bagarre là encore et gros proverbe qui dit qui a trahi trahira qui a menti mentira monsieur Rodolphe Jarre l'a extrêmement difficile pour ta vie nous personnage crédible qu'il y a pour tout ça que saute l'embouche lui t'as tellement crédible pour c'est au même qui t'a servi comme piste qui pour mener nous vers la vérité et puis t'amener nous à un vrai procès. Bon, et Julio, je suis d'accord avec l'analyse. Et l'autre bagaille que moi-même je pensais, je pense que vu que le journaliste n'est pas en mesure pour joindre de monde qui corroborait sa M. Jarre et accusation M. Jarre portée, hein, je pense que le journaliste doit retendre avant que li publie article là et mandé journaliste là pour te continuer avec investigation là pour te capable gagner d'autres monde qui acceptaient et que yo identifié yo et à partir de là et si que et moun sa yo que journal là que journaliste a ta et interviewé et qui acceptait que yo et publié non yo et article n'a pas gagné plus poids et t'a gagné plus crédibilité dans article donc et c'est là que moi trouvé que li est un peu drôle de la part de un journal de calibre et New York Times pour lui accepter publier un article d'une telle importance avec seulement et la déclaration les accusations de un personnage qui est extrêmement douteux. C'est dans ce sens-là, moi-même, moi d'accord avec vous et moi d'accord également avec l'éditorial que Marcus Garcia a publié. Et n'a pas rappelé que M. Rodolphe Jarre, depuis le mercredi 12 janvier, est rentré aux États-Unis. Ben, elle t'a fait demande là, elle t'a dit pour aucune raison, elle n'a pas voulu voir le pays d'Haïti pour la mourir. Parce qu'elle croit que si elle est dans le pays d'Haïti, bon, il n'y a pas le monde. Et on est là, on prend un article là pour s'allier, pour s'accepter. Naturellement, nous disons doute, nous posons des questions que nous gagnons de l'article là. Bon, on essaie de prendre ça qui dit. Pour un peu le monde, que c'est un article qui vraiment accusé l'actuel premier ministre, mais il y a un monde qui voit tout, le clan. Monsieur Jarre tap évolué à article là capable indexer tout en série de membres du PHTK ou même retomber article là qui côté ouel qui arrivé qui secteur capable tap supposé affecté bon et article là et c'est un secteur et Martelian parce que là nous connaît et relation qui existait, bonne relation qui existait entre l'actuel Premier ministre, M. Dr. Ariel Henry, et l'ancien président et Michel Martelly. Donc, si que bon secteur qui t'a plus affecté par article ça, c'est secteur, branche et Michel Martelly. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et en ce sens-là, et moi-même, moi pense que il a un intérêt pays, hein, il a un intérêt pays hein, que Premier ministre Ariel Henry accepte et répondre aux questions de la justice haïtienne et également
accepté répondre aux questions de journalistes qui t'a intéressé à tendre son cloche parler de accusations que vous portez contre lui. Est-ce que l'analyse pour là ou font seul paquet avec premier ministre Ariel Henry que en pile mounouel comme un monde qui travaille pour PHTK ou bien est-ce qu'on sépare de PHTK? Ça veut dire retomber déclaration monsieur Jarre. Li ka affecté paquet déjà, ça veut dire ni Ariel Henry ni ou c'est que l'on PHTK ou bien le ka affecté au séparément ou bien le ka affecté seulement ou seul là-dedans. Non, moi, je pense que déclaration, accusation, M. Jean-Lan, il a affecté non seulement le Premier ministre et Ariel Henry, mais également tout le secteur du PHTK qui est dominé par le président, l'ancien président et Joseph et Martelly. Julio, n'a pas aux États-Unis, bon bagay et nous supposons tenir compte de lui. La justice américaine, j'en que le fonctionnait. En général, ils ont commencé par un maillon qui est plus faible. Il est vrai que actuellement, M. Ariel Henry sont gros poissons que liés dans le bassin. Hein? Mais cependant, l'ancien président Michel Martelly lit encore un plus gros poisson. Donc, est-ce que qu'on y a là, si que Jean-Noël dans l'article New York Times, hein, et nous pensons que son article est extrêmement intéressé, son article qui est plus orienté vers certaines accusations contre le secteur Michel Martelly du PHTK. Donc, en ce sens-là, est-ce que c'est pas dirigé, il y a dirigé l'opinion publique vers Michel Martelly, mais en passant par Ariel Henry, qui actuel premier ministre et qui sont proches, très proches de Michel Martelly. Bon, là, nous avons l'autre chose après lui, quand même. Ariel Henry, c'est Ariel Henry. Ariel Henry, son homme d'État. Ariel Henry, c'est premier ministre de son pays. Michel Martelly, son ancien président. Bon, nous comprenons qu'il y a un monde qui veut mettre ensemble juste parce que Ariel Henry est ministre. Président Martelly en deux occasions. Mais c'est pas lui-même seulement qui est ministre président Martelly. Mais si nous préférons nos articles là toujours, de manière directe, pour que ça nous pense à l'article là qui a affecté le président Martelly. Parce que j'ai jusqu'à présent, pas l'homme non président Martelly. Il pas même l'homme non PHT quand même. Il pas l'homme non ancien acolyte, ancien collaborateur près président Michel Martelly. Mais pour que les gens voulaient associer déclaration lui à Michel Martelly. Mais t'as comment dit que c'est proximité que tout le monde connaît que Ariel Henry gagnait avec l'ancien président Michel Martelly. Et parce que gros secteur, enfin l'autre branche du PHTK, nous connaît qui développait pendant ces derniers mois une hostilité vis-à-vis du président Martelly. Et nous pas peut-être nous mentir, nous connaissons comment que président Martelly c'est un candidat si li aller dans prochaine élection qu'a fait là yo, quel que soit leur élection en fait là, et qu'a bail en pile problème souterrain à cause de statut li en tant qu'ancien président, à cause de statut li en tant que grande vedette et dans le pays. Et également à cause du fait que Ariel Henry, en tant que premier ministre, li gagne appareil l'État en amène. Et lorsque ça m'entend pas appareil l'État, li gagne trésor public là en amène. Et conseil électoral qui pourrait organiser l'élection, Ariel Henry a une grande emprise également sous conseil électoral ça et toute structure qui pourrait organiser l'élection, y compris matériel électronique qui pourrait formuler
résultat élection. Donc, il est très important pour toute une série de... On faut se tromper là. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu que Ariel Henry obligé de représenter Michel Martelly. Ariel Henry était ministre président Martelly. Ça qui arrivé, il était zami, ça qui arrivé, il était une bonne relation. Mais pas rien qui a convaincu le monde que Ariel Henry, ils sont continuité de Sandra Carilli, PHTK, branche président Martelly. Et tout à l'heure, vous avez parlé de bon branche oui, de PHTK. D'abord, donc, il y a une raison qui fait que je fais diriger l'analyse dans ce sens, c'est parce que il y a de grandes rumeurs qui veulent croire que c'est président, c'est l'ancien président Michel Martelly qui t'a imposé Ariel Henry au président Jovenel Moïse. Donc, si ça livrait, donc c'est pas que Ariel Henry était seulement ministre et sous la présidence de Michel Martelly, mais Ariel Henry bénéficiait du support intégral de l'ancien président Michel Martelly qui était imposé choix ça au président Jovenel Moïse. Alors, comme vous avez si bien dit, rumeur, et comme à travers l'analyse Wagon, si qui commence ces phrases-là, on est d'accord avec moi tout. Au cas où rumeur ça ou pas fondé, donc analyse là lui-même, il n'est pas capable de kembe. Mais, gon aspect extrêmement important, qui mène nous en prochaine question, l'autre partie là, débat. Toute analyse ou fait de Ariel Henry ça. Mais Ariel Henry, gon date de fois, capitaine. C'est le 7 février prochain, j'en te dis l'introduction. Non, jusqu'à présent, il y a un monde qui croit. À partir du 7 février, Ariel Henry n'a pas rien de légitime qui pour Kembel pour le lever comme gouvernement le 8 février. Comment ouais que le 7 de Kounia à 7 février, comment ouais le gouvernement Ariel Henry? Bon, et c'est ça que nous voulons dans le langage américain, on l'aime donc, et gouvernement. Parce que moi-même également me fait partie de groupe monde qui croit que après le 7 février, même pendant que actuellement Ariel Henry n'a pas gagné en légitimité, parce qu'il n'est pas passé et dans le canal nécessaire pour lui être venu arriver pour le ministre, c'est-à-dire passer devant le Parlement pour lui présenter en politique, sa politique générale. Mais toujours est-il que, et on mentionnait ça, il a été choisi par le président Jovenel Moïse, même pendant que le mandat président Jovenel Moïse était expiré le 7 février 2021. Mais toujours est-il que, à cause de certains points d'ombre qui gagnent dans la Constitution haïtienne, qui causent différentes interprétations, donc, mais quand même, Ariel Henry était choisi par le président Jovenel Moïse qui était allé aux élections et qui était gagné l'élection. Donc, à partir de là, M. Bon, on tant soit peu de légitimité là. Mais à partir du 7 février, date que le président Jovenel Moïse lui-même t'a accepté que le mandat a fini, hein, Ariel Henry vient pas gagner le peu de légitimité ça que il t'a gagné à partir du mandat du président Jovenel Moïse. Maintenant, nous avons ça plusieurs fois déjà dans l'histoire et pays d'Haïti. Lorsque le président allait, pas gagné élection qui était faite, et même pendant que gagné élection qui était faite, nouveau président vini, premier ministre qui était là, que le vin joindre, il continuait avec lui. Mais il y aurait le premier ministre, un premier ministre, un gouvernement, pas seulement le premier ministre, tout le gouvernement que le premier ministre a dirigé, il y aurait l'élite, un gouvernement qui a liquidé les affaires courantes. Nous te voyons, si nous prenons l'exemple
de président Martelly, lui a fini élu en 2011, et nous te ouais que premier ministre d'alors, il était continué, c'était Max Bellerive, il était continué avec président Martelly pendant près de mois. Mais au fait, monsieur Della a liquidé les affaires courantes. Et nous ouais également avec monsieur Evans Paul, lorsque président Martelly le 7 février était allé avant que monsieur Enek Jean-Charles t'ait vu assumer la position de premier ministre, monsieur Evans Paul était pendant près de mois. Mais et nous avons plusieurs autres exemples encore, mais tout gouvernement ça yo yotérelé yo des gouvernements qui liquider les affaires courantes en attendant que nouveau président nommé premier ministre parle. Donc en ce sens là, pour moi et docteur Ariel Henry, actuel premier ministre, après le 7 février il peut aller avec gouvernement là, il peut aller un gouvernement cap liquider les affaires courantes en attendant que gon un nouveau gouvernement qui vienne remplacer gouvernement ça cap liquider les affaires courantes là. OK, mais monsieur Joseph, il y a mon cap tande nous là qui capable dire que mais monsieur Sayo, est-ce que c'est des monde qui en politique là hier? À travers toute analyse au fait là, nous avons un dénominateur commun, nous pas jamais l'on menon, et très malheureusement, l'histoire a prouvé, c'est les mêmes qui sont décideurs, qui sont importants, n'a parlé de l'international. Mais comment ou est l'international de tout ça? Et nous, déjà, alors, analyse est basé sur la constitution haïtienne, sur l'égalité. Mais et clair soit dit en la ligne toute importance li, parce que tout nous connaît comment que Ariel Henry devient premier ministre, c'est on tweet de communauté internationale, là, particulièrement je crois de l'ambassade américaine qui devine Metel comme premier ministre. OK, donc le 7 février ça pas veut dire pour autant que procédure à respecter. Procédure n'a pas gain droit pas respecté parce que tant qu'on nous est jusqu'à présent et nous sommes en politique, tout est dynamique. Jusqu'à présent Ariel Henry continuait bénéficier du support de l'international et particulièrement du gouvernement américain. OK. Et monsieur Joseph, Ariel Henry, tu es premier ministre depuis le président t'es nommé là. Bon, bien que, parce que, premier bail pour nous d'accord, n'a fait discussion, n'a fait analyse, l'encadre côté malheureusement, pas gain affaire de constitution qui a réglé. Pas gain personne qui a courage pour dire la constitution est mise en veilleuse, ou bien qu'il y a certains articles qui sont mis en veilleuse, mais nous pas la faire constitution. D'ailleurs, soit parler de constitution. Bon, l'autre débat encore, nous songez. Il y a un monde qui te dit que le fait que choix Ariel Henry a pas de guette en publié dans moniteur, il n'est pas légitime. Bon, c'est un débat. Mais je dis à là, n'a pas tenu compte de réalité, ça n'a pas d'accord que nous ne sommes pas d'accord. Mais vous avez parlé de, à partir du 7 février, Ariel Henry t'a supposé appliquer des affaires courantes avec le gouvernement. Je ne sais pas si c'est même quand explique à Ariel Henry pour une semaine là, depuis qu'il y a un nouveau membre qui rejoint le gouvernement. Quand il y a un nouveau directeur général au rang qu'il en gouvernement, quand il même créé poste qui pas de gagner au rang de ministre en dans gouvernement, et me dit déjà actuellement yo fermé la côte des arcades, il a réfléchi comment pour yo porter solution à problème pays. Mais gouvernement ça qui va le remplacer yo d'abord même côté l'a sorti là. Non mais et d'abord m'ta aimé faire on analyse sous attitude Ariel Henry qui sont indications pour moi que le 7 février monsieur pas quitter pouvoir et monsieur pas considérer tête li avec gouvernement lien comme un gouvernement qui a liquidé les affaires courantes. Ce sont certaines indications pour moi et l'autre point
que ou soulevé, hein? Qui est-ce qui va faire Ariel Henry comprendre que c'est l'appliquer des affaires courantes parce qu'il n'y a pas un président. Et en ce sens-là, nous pensons que, moi-même, moi pensais que l'alliance entre les deux accords, la fusion entre les deux accords, l'accord de Montana et Le Pen, Mounusayo, yo anticipé également que faut yo dépêché yo pour yo vini avec un nouveau gouvernement pour faire que Ariel Henry considéré comme Ariel Henry et son gouvernement considéré comme un gouvernement qui a liquidé les affaires courantes. Donc c'est comme ça que moi-même m'interprète. OK. Bon, là nous entrons dans alliance entre Akor Montana et Penna. Mais moi-même moi toujours dit pouvoir toujours considérer tant qu'on équipe qui organise un championnat à domicile. Il est un fait, c'est lui-même qui est au pouvoir, je vous dis. Et comment la retirer colle dans Paléa avec l'équipe pour une autre équipe qui prend naissance à travers des réunions que l'on doit clamer qui n'a aucune légitimité tout pour remplacer. Qui ça fait croire que l'alliance entre Montana et Penn capable arriver un côté jusqu'à ce que pour retirer l'équipe Ariel là pour remplacer lui-même. Non, et ça sont très belles questions et c'est là que nous rentrons dans la question ça nous relie on rapport de force. Et pour le moment rapport de force là lit en faveur de monsieur Ariel Henry et son gouvernement. Est-ce que à partir du 7 février population a retrouvé une logique et à Montana peine pour mobiliser pour ta forcer Ariel Henry à démissionner. Et nous capable dit que c'est la question étant qu'on nous dit et ici that's the $1 million question. Parce que nous comme nous connaît le pouvoir est une affaire de rapport de force et pour le moment et rapport de force là en faveur de Ariel Henry. Bon, parce que si on nous dit n'a mettre international là sous côté jusqu'à présent. Bien que très malheureusement nous croyons que international là il a un gros rôle qu'il va jouer dans ça qu'il va le faire en finale là. Et l'on parle de rapport de force sur le papier bien que m'a pas contredit tête moi. Mais réalité assez saliée, et les observés avec lui, c'est avec Ariel, c'est lui-même qui a pouvoir de commande sur toutes les forces officielles que le pays a. Ariel, c'est lui-même qui a pouvoir sur la police nationale, qui a exécuté l'ordre, sauf si il est entré en rébellion. Ariel, c'est lui qui a pouvoir sur sa yorele, force armée d'Haïti, sauf si il est entré en rébellion. Et qu'on en apprend un bagage qui n'est pas officiel, mais c'est une réalité, ça fait partie de notre quotidien. Et pouvoir gangster ou l'un pays, à ce moment-là, soit c'est un stade de bandit. Je dis à là, le pays, c'est gangster qui a mené. Et si on apprend pour vrai, en pile monde qui croit que le pays a vivre ou gangsterisation d'État, là encore, on a dit, Ariel gen trois forces l'emmène. Et gen on force qui pas des moindres, que nous pas capables quand même, et pas mettre l'analyse là. Et la force économique. À dire, pouvoir économique là, mais Ariel li, c'est lui qui nomme le ministre des Finances li, c'est lui qui gen contrôle sous taxe moun a payé, c'est lui qui gagne et BRH, c'est lui même qui nomme moun. Donc, tout pays ça a joué en faveur. Donc, comment si, très malheureusement, comme ça m'a dit, international n'a pas tranché en faveur à Copen et Montana qui font fusion, hein? Comment Ariel a quitté par les nationales là? Alors, comme il parle en parler, il est prématuré. Comment c'est ça, m'dou, et c'est ça, m'entend que, et c'est ça, m'a été dit, justement, le mot dit que, et l'emploi de force en faveur de Ariel Henry. À moins que, comme on dit, et à quoi Montana peine,
t'a arrivé après le 7 février, mobilisé et une quantité énorme de monde dans la population, à côté que, et à ce moment-là, les supporters de Ariel Henry, l'international, et la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti, Yota, et particulièrement et la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti, Yota réalisé que yo pas qu'à altirer sous population même gens que ça te fait sous Jovenel Moïse. Hein. Donc, Yota mette Ariel Henry devant le fait accompli. Côté que pour le dire Ariel Henry, il faut réaliser que paysan, si nous tirons sous moun yo, kounyala nous pas créer un bain de sang. Ce que et c'est une parenthèse et même Jean-Claude Duvalier était refusé fait parce que sous son j'ai bien dans son discours d'adieu Jean-Claude Duvalier a dit que il choisit pour l'aller parce que il pas voulait créer un bain de sang dans le pays. Est-ce que Kounyan la Ariel Henry en prêt pour créer un bain de sang dans le pays dans la mesure que et à quoi Montana Penna t'es qu'à arriver mobiliser une quantité énorme de et manifestants et à ce moment-là son seul genre que Ariel Henry t'a ouais pour t'a bloquer yo c'est provoquer un bain de sang. Est-ce que Ariel Henry t'a prêt à une telle éventualité? Là encore ce sont des hypothèses parce que pour le moment nous moi-même personnellement pas ouais comment que la cour Montana Penna pour arriver mobiliser et population hein, au point que pour y forcer Ariel Henry ou bien à présenter sa démission ou bien à passer l'ordre à la police nationale et aux forces armées d'Haïti pour créer un bain de sang. Bon, là M. Joseph, bon là déjà n'a pas essayé poser problème non. On nous dit par hypothèse que alliance à Montana avec Penna ta vini soi-disant gagne bataille là. L'ensens que Ariel obligé retirer col yo même bon comme un mécanisme mis en place, yo gagne on prend tête, peut-être la cap gagne 5 moun la dernier en dans 5 moun nan c'est un moun cap président et yo même dit gouvernement Ariel Henry a gagne droit voyer un moun tout et mais c'est une branche en dans Montana qui pral décider, yo pral voter qui est ce président ou paquet de bagaille comme ça. Bon, on nous dit tout bagaille ça ou ta marché Jean ou prévoir Ariel Henry aller. On considérer que gangster yo cap travail dans pays a c'est pour pouvoir vrai ou tap travail parce que il y a un peu monde qui dit c'est pour président Martelly ou tap travail. Il y a un monde qui dit c'est pour Jovenel du tap travail qui est en continuité de PHTK. Et en pile moun nan la lise, yo kwe que Ariel son continuité de Martelly. Ça veut dire, pendant 10 ans ça, nous toujours gagnons même bandi sa ou qui gagne même patron. Comment a kon Montana Penn ta gagne ren peyi à l'amel, mais li pou l'amène pou l'mache grosse sa ou, est-ce que son baga ki possible? Et si ça va ka fait, est-ce que pas pour mon vieux pieux, est-ce que pas pour la vie, monsieur Yate? Bon, et naturellement, bon, gain de bagarre à vue, l'eau. Bon, ça nous est un effet psychologique. Songez bien que, après la mort du président Jovenel Moïse, t'es qu'on on titan d'accalmie du côté des bandits. Parce que, y'a pas encore réalisé qui côté y'a. Et, parce que, comme y'a dit, et que, chef de mourir. Je ne peux pas comprendre qui côté où il est. Mais on dit que un nouveau gouvernement vini qui pas gagné et qui pas dominé par le secteur PHTK. Qui pas dominé par le PHTK. À quelques secteurs que ce soit, que ce secteur Jovenel Moïse, que ce secteur Martelly, qui pas dominé par lui-même. Maintenant bon effet psychologique sur bandit et côté que yo pral un petit gens baisser nan zakyo et y a suivre et à ce moment-là nouveau gouvernement ça qui là faut qu'il ta en mesure pour ta déjà un plan
comment que le pral neutraliser bandit ça une fois et pour toutes. Une fois et pour toutes. Encore une fois, ce sont là des hypothèses. Non, mais est-ce qu'à travers l'analyse, où est le gouvernement, alors on a parlé d'un gouvernement qui est issu de la fusion et Montana Penn, est-ce que y a des moyens pour neutraliser? Parce que n'a pas parlé d'une équipe Moon, il a dit en mille fois, et vous pouvez le vraiment, semblerait-il, que il a mieux, longtemps mieux armé que la police nationale. Donc, comment le gouvernement, ça a lui-même, il peut neutraliser, voilà. Et pour Julio, songez bien que c'est vrai que et bandits yo gen deux armes extrêmement sophistiquées qui capable supérieur à la police nationale et aux forces armées d'Haïti. Deux bagages pour nous considérer. Si que gon nouveau gouvernement qui vini qui prend pouvoir, c'est parce que l'international accepte. Malheureusement, c'est une réalité. Malheureusement, c'est bien malheureux que on monte un coup m'a dit on va comme ça. Par le fait même que le gouvernement ça les supporte les joignent le support et peut-être un certain support conditionnel pas inconditionnel tant que et puis HK gagne depuis 10 ans un certain support conditionnel par la communauté internationale et bandi yo zam que yo gagne dans meilleur en Julio faut qu'on gagne munitions pour servir avec lui et côté au joindre munitions hein si que international là serré boulon yo. Si que les États-Unis en particulier fait ça le supposé fait bloquer et munitions avec armes cap rentrer en dedans pays hein. Que c'est directement de la République et des États-Unis que c'est par la frontière et de la République dominicaine étant. Okay. Donc à ce sens-là on fait notre logique. A remarqué que nous parlons en pile, nous te même parlé du minimum de légitimité que Ariel gagne. Mais, gon minimum de légitimité tout, que reste Sénat a gagne. D'ailleurs, j'en dis, il y a tellement manifesté, on essaie d'étendre président Lambert qui réélu encore pour dernier année, à t'as montré position. Nous comprenons formal. Je voulais vous dire. Comment faire que priorité à sécurité en pas capable accordé à exécutif qui est en place là. C'est comme quoi tout bagaille allait bien. Au point où élection capable annoncer sans tracas. Comme quoi candidat qui a fait campagne, moun capable voter n'importe qui côté dans n'importe qui coin dans territoire. N'a dit il faut. C'est comme quoi jodi an exécutif là pas jamais moins nécessité ni comprendre que gen un ensemble de bagay qui pou fait dans section communale yo ou bien dans pays ya. Des projets étaient initiés par président Jovenel. C'est comme quoi depuis Jovenel fin mourir a projet ça tout mourir tout avec Jovenel. Ce qui va essayer de réaliser ça qu'on fait là, c'est comme on a dit, ouais, président Sénat, il est très critique vis-à-vis de pouvoir Ariel là, mais peut-être sans pas en y compte, ou bien c'est choisi, il même montre que il y a des travail qui t'a fait pendant président Jovenel là. Et puis devant, il y a un autre aspect dans le débat qui est extrêmement important, c'est l'équipe SDPA qui retrouvait Ariel, yon dou 4 mois après yon retrouvé Ariel, yon estime que Ariel pas bay résultat. Gen moun ki même senti que son route yon fait pour retirer pour yon. Et ou ap apprendre jodi a que même MTV, mouvant 3e voie du docteur Reginald Boulos, yon officiellement retiré yon Ariel là. Donc en outant de mettre André Michel lui-même qui prend position que en pile moun interprété, c'est un concord qui l'a gagné qui a cherché route pour le courir. Mandat 10 sénateurs aujourd'hui. Information. Vendredi qui s'est passé là. Vendredi qui était 7 janvier 2022. Tu as gagné un groupe important.
signaté encore en septembre 2021, qui te rencontré avec le Premier ministre Ariel Henry. Et question, mandat du sénateur Sayo, tu as une discussion qui fait sur tout signaté encore, qui te participé dans la rencontre ça, avec le Premier ministre Ariel Henry, nous tous, nous reconnaître que mandat du sénateur Sayo fini jeudi, lundi 10 janvier 2022. Ce n'est pas le gouvernement qui va renvoyer. Le gouvernement qui pour constater que le mandat est fini. Le gouvernement qui l'a sorti dans l'accord en septembre 2021. Et à partir de ce moment, le gouvernement a le choix que de constater la fin du mandat de ces sénateurs. Merci à tout le monde qui devait choisir de nous, pour vous tendre nous sur Radio Concorde, pour vous garder nous sur MCTV, qui passe dans 8 villes différentes dans Massachusetts. Merci à tout le monde qui garde nous sur la plateforme. C'est avec un pile plaisir que nous avons porté l'émission pour vous. Moi-même, jusqu'à présent, l'homme on dit Julio Midi, c'est moi le relais. Sur ce, nous demandons de nous passer une très bonne semaine. Tant pris, pas fait négligence, continue pour protéger tête.